Salut à tous, c'est Sigogne. On se retrouve pour la suite de Far Cry 2 et j'espère que vous allez bien de votre côté. C'est parti pour aller à l'église voir le père Malia. Allez. Regardez précisément où c'est. Ah, nickel, c'est en ville. Au moins, ça va pas être la bagarre. Ah. Petit bitonio, ouais, de temps en temps. Je vais un peu vagabonder à la recherche de diamants. Ah. Chaque diamant a une autre valeur, quoi. Parfois il vaut 2, parfois il vaut 3, parfois il vaut 1. Un lance-flamme? Non, mais ça va pas, non? Pour moi, c'est une des armes la moins efficace qu'ils disent. Un lance-flamme. Bon, passe pas là. Bon, ici c'est assez cassé quand même. Nous avons encore un diamant. Celui-là valait 1. C'est pas grave. Au début, ça donne un coup de pouce. Au début, il me faut des armes déjà pour être équipé. Des ceintures de munitions, j'aimerais bien. Histoire de pas être en rade à chaque fois. Voilà. Là, on va aller à l'église. Là aussi un diamant dans cette maison là. Hey, on a déjà essayé de parler avec le docteur. Ah, on le gauche, je peux pas le regarder. Là c'est interdit d'aller là. C'était ça en essayant d'enlever une grotte. Les troupes des factions vous tireront dessus si vous franchissez une zone interdite. Ces zones sont indiquées sur la map. Vous êtes prévenu. Le gars a commencé à... Regarde ce crétin. Ah dégage, on a une zone interdite ici donc c'est bien éclat dans la tête. Ouais, on va pas le chercher tout de suite ce diamant. Là aussi il y a du diamant là. Celui-là là-bas qui clignote. Essayer de rentrer là-dedans. La porte. Bon, ça doit peut-être être dans l'autre sens. Non. Ah. C'est de la bakélite. C'est quoi? Non plus pas. Composé plastique dont j'avais oublié le nom. Quand j'étais en Namibie, la brousse était pavée de mine russe dans cette matière. Ouais, là, ça doit être là. Désolé, il n'y a pas d'office prévu pour le moment. Ah, oh, vous n'allez pas bien. Vous allez vraiment avoir besoin d'un prêtre. C'est Ruben qui vous envoie? Il a quelque chose pour moi. Je serai heureux de vous aider en retour, même si je n'ai que peu de médicaments. Je crois que vous devriez en prendre tout de suite. Ça ne fera effet qu'un moment, mais je sais comment en avoir plus.
Tous mes paroissiens ne sont pas partis. Beaucoup sont coincés par peur des représailles s'ils se faisaient prendre en train de s'enfuir. Et d'autres ont choisi de rester. Nous essayons d'apporter de l'aide et vous pourriez nous être utile. Ok. Ok. Vous devriez revenir quand vous aurez besoin d'autres médicaments. T'inquiète. Ok. Venez de terminer le tacticiel et les missions d'entraînement. Arthur Kipo va maintenant vous présenter à Prosper Kouassi, au PC de l'APR indiqué par. Voilà. Ok. Compliqué de tenir la malaria sous contrôle. Vous pouvez partir en exploration. Les planques sont débloquées et améliorées en travaillant avec des partenaires. Vous perquisitionnez poste de garde pour obtenir des renseignements. C'est en arpentant la région que vous trouverez des diamants. Diamants vous servent à acheter des armes que vous débloquez en acceptant des missions annexes à l'armurerie. Vous pouvez recevoir des missions annexes qui vous rapporteront des diamants ou des armes ou font grandir votre réputation. Au lieu de signaler par un point d'exclamation. Et vous pouvez voyager en sécurité d'un arrêt de bus à un autre. Dans la même zone, votre progression sera automatiquement sauvegardée. Quelque part dehors rôde un marchand d'armes qu'on ne connaît que sous le nom du Chacal. Il a vendu des armes à la fois à l'APR et à l'UFLL. Chaque balle, chaque arme, chaque corps que vous avez crush dessus là, on envoie directement à lui. Trouvez-le et abattez-le. Et donc maintenant on a le choix. Et je vois qu'ici il y a déjà une mission disponible. Ah, pardon, j'ai baillé. Mais j'ai remarqué sur les vidéos, souvent mon temps respirer assez fort. C'est l'asthme. Plus rien, c'est. J'suis obligé d'aspirer beaucoup d'air. Ok, bon ben, allez, c'est parti. Bonjour. Attends, monsieur. Je vais prendre les armes et tout le reste. Il n'y a pas de souci. Petite sauvegarde. Au cas où, on n'est pas à l'abri d'un bug. Ce mec plaisante pas avec la marchandise. Regarde cette arme. Bizarre comme nom, le chacal. Il est trop barré. Il nous a quasiment donné tout ça. Pourquoi ces tarots sont aussi bas? C'est pas cher pour l'UFLL aussi. Ce mec aurait pu se faire plus de blé s'il voulait. Bonjour. Tu cherches quoi, mec? Un taf? Ouais, c'est ça. Je te connais pas. Mais moi, tu me connais. T'as entendu parler de Prosper Kouassi? T'es bon tireur? Tu peux buter un mec dans une voiture qui trace? C'est une grosse cible, facile. Est-ce que Kouassi te parle, Kepo? Non, il parle au nouveau. Tu cherches un taf? On en a un pour toi. Un contrat sur un mec. Le chef de la police. Kepo, dis-lui où trouver le mec. Il est au milieu d'un cortège. Il est en mouvement. Choisis un emplacement sur la route et attends qu'il arrive. Ce sale petit rat sera planqué dans son gros 4x4. Attaque le cortège et élimine-le. Fais un carnage. On a besoin de faire passer le message. Je la sens bien, cette affaire. Et si on te payait tout de suite pour le taf, hein? Tends une embuscade au cortège et bute le chef de la police. Okay. Personne d'autre n'est au courant de ça à l'APR. Les autres soldats seront pas amicaux, fais gaffe. Ok. C'est tout? Pas plus? Ok. Sors tranquillement. On regarde la mission après. C'est parti. Ça va assez vite. T'as de la chance. Bonjour. C'est moi qui m'a rendu mes flingues. Téléphone. Viens me retrouver au nord du marché au bétail. J'ai des informations qui pourraient être utiles. Ok. Soit remplir la mission de la paix et abattre le chef de la police maintenant, soit aller voir Flora Guilen, qui aura peut-être mieux à vous proposer. Ok. Ben... Alors... Non. On va déjà monter voir ce qu'elle veut, elle. D'ailleurs, là-bas. Ok. Espérons qu'on trouve un véhicule. D'habitude, il y a toujours un véhicule qui traîne à la sortie de la ville.
J'ai pas l'impression, mais là-bas, il y a une petite voiture, une petite. Ok. Ah ouais, elle marche bien celle-là. Ah ouais. Ah, il fait plaisir ce jeu, hein. C'est un truc de fou. Hein. La sensation de liberté là-dedans, c'est dingue. On devra peut-être traverser la rivière. Bon, on va voir. On s'y rend déjà une fois. Le plus près possible. Si c'était prévu pour aller en voiture jusqu'ici. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Ça va le faire ou pas? Allez. Je le savais. Merci, mec. Hey, tu devrais t'occuper de cette blessure. Merci, mec. Ah, je le savais, le Delta Plane sur ce jeu, laisse tomber. Pas maniable, dégueulasse. Ok. On a un autre problème. Mais bon, ça passe. Ok. Au moins, ça a renforcé les relations. Okay. 1, 2 pompes. Ne fatigue pas pour chasser le cortège des fédéraux. Il y a un moyen plus simple de faire le boulot. Il y a un village de pêcheurs en bas de la rivière. Le frère du policier vit là-bas. Il devrait lui rendre une petite visite. Il cache un registre. Un registre avec tous les dessous de table que l'officier a reçu de la PR pendant des années. Quand le chef se rendra compte que t'as le registre, il va courir se planquer au poste comme un petit garçon. Et ce sera plus une cible mobile. Plus facile à descendre. Ouais, c'est pas mal, mais attaquer un convoi, ça me plaît bien aussi. Il paraît que l'adjoint déteste son patron. Quand il va entendre parler des dessous de table de la PR, je te garantis qu'il va courir livrer les armes de la police à l'UFLL. Je tendrai une embuscade à leur convoi et je détruirai ces armes. Tu viens m'aider, tu pourras récupérer tout ce que tu veux sur place. Ok. Ça ne peut marcher que si tu dégotes ce registre. Il est dans ce village de pêcheurs. Cherche la maison du frère. Ok. Ouais, franchement, je préfère ça que le lance-flamme. Va dormir un petit peu. Pas mal. Donc là, il faudrait. Ok. Allez, c'est parti. La planque là, elle est pas débloquée. Hein. Et c'est bon. Normalement, ils le disent, non?
lance-moi là-dessus. Ok. Ah, vraiment des gens qui jettent n'importe quoi. Peut-être la plante qui est encore là dans l'autre. Le détail, il est pas mal. Et voilà. De bateaux, ça marche bien les bateaux sur l'eau là, les petites barques là. Dans du steak en vrai. J'ai rien fait. Eh ben, tranquille quoi les gars. Voilà. Voilà, ça m'économisera la seringue. Non, je pense que c'est une porte. Ok, là je vais vérifier. Voilà, ok. Ok, ok. Beaucoup de munitions, 7. Ah là, il y a des munitions. Ah non, c'est des grenades. Mais j'en ai récupéré sur les cadavres.
Ok. D'abord faire le tour du bâtiment. Ouais, mais... Et le gars, il démarre un bateau, il m'avait l'air menaçant. Ok. J'ai une mission, mon pote. Mais bon, il m'attaque pas. Le chef a reçu le message à propos de son registre. Il est en chemin. Il retourne à son poste en ce moment même. Allez là-bas. Il y a des munitions à récupérer. Juste aller tuer le mec là qui est au bateau. Ok. Non, j'ai pas réussi à récupérer les munitions là, non plus, il est à l'eau. Ah, ça fait plaisir ça. Voilà. Ok, suite de la mission. Ça, c'est loin. Si on repart par la mer, c'est trop, là, c'est trop dézoomé, en fait. Sinon, on revient sur la terre ferme et on attrape un véhicule. Ce serait vers là-bas. Ok. On va faire ça. Ah, faut se débrouiller, on doit Far Cry 2. C'est pas, y a pas de déplacement rapide ou je sais pas quoi. Hein. Allez. Ouais, pourquoi tu restes... Il y a de la base ou quoi? Attends, ouais, ça déjà. Mieux. Dommage qu'on peut pas avoir derrière, c'est ça. 180 max. Pour partir de là, c'est nickel ça. Où est-ce qu'il est allé? Ah. On peut même prendre ça quoi. Allez, direction le quad.
Parce que c'est quand même vachement dangereux. Juste. Non, pas de diamant autour. Alors on va monter la montagne. Et pas à cheval. Donc là on va faire gauche gauche. On va contourner la montagne là. C'est la diversité en fait. Maintenant, une fois vous êtes en quad, une fois vous êtes en barque, une fois ci, une fois ça. Oh là là, les emmerdes commencent. Je pensais pas que c'était aussi puissant. On s'est arrêté vite fait, réparer le quad avant qu'il explose, sinon on est dans la merde. Non, pas ça. Pourquoi il me sort à chaque fois le bas du quad? Réparer le quad. Ça, si on se retrouve à pied, c'est encore plus la merde. Monter par là. Oh mais les nœuds tout cassés. Là, on va destination, ce serait pas mal. Oh là 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 là.
Voilà. Poste de garde. Réquisitionner. Oh, le véhicule. Ça, c'est du gros calibre. C'est du très gros calibre. Je vois que le timer est déjà 30 minutes. L'épisode celui-là il sera un peu plus long. Hein. C'était une mission assez compliquée. Hein. On va pas se mentir. Ah, il y a un point de sauvegarde là. Du coup on va s'arrêter à la planque. Au milieu de la mission, on a déjà réussi, on est déjà vivant jusqu'ici, c'est déjà pas mal. Mais c'est fou ça. Et on vient m'emmerder jusque là quoi. Ah voilà pourquoi j'arrivais pas à reculer. Ça, c'est du gros calibre. J'aimerais bien le garder un maximum de temps, ce véhicule. On va le réparer, vite fait. Ah, c'est la galère, hein ! Ouais, bien sûr. Je vois. Comme tu voudras. Personne. Je vois. J'imagine. Je vois. Suppose. Je vois. J'imagine. Je vois. Ouais, il est bugué. Comme tu voudras. Suppose. Ok, bon, écoute. Comme tu voudras. Tant que tu bugs, moi je vais aller dormir. Il sera 3h du matin. Voilà. Sur ce, la suite ce sera dans le prochain épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Un petit like, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se dit. Allez, à la prochaine. Allez, tchou! Moi, je me casse.